Bien. Donc, on passe à la deuxième partie, principe fondamental de dénombrement. Donc, on réalise des expériences, okay, qui peuvent produire respectivement n et m résultats différents. Au total, pour les deux expériences prises, ensemble, il existe n fois m résultats possibles. Bien. Donc, nous avons le principe fondamental de dénombrement. Expérience. Elle est juste des dérivés. Par exemple, on note E1, E2. Donc, E1, qu'est-ce que tu as un résultat? E2, qu'est-ce que tu as un résultat? Bien sûr, un résultat qui sont différents. Hein? Aussi, un résultat différent. Donc, les semaines, bien sûr, deux expériences. Regardez, bien sûr, N fois M résultat. Simplement, les semaines, bien sûr, N fois M résultat. Bien sûr, démonstration bien sûr facile. D'après, bien sûr, proposition 3, on a déjà fait partie du cardinal. Donc, je l'ai fait partie précédente. Donc, maintenant, A, cardinal de A fois B, bien sûr, le produit cartésien, donc égal X, bien sûr, Y, tel que X appartenant à A et Y appartenant à B, bien sûr, a dit une notation du cardinal, donc égal tout simplement le cardinal de A fois cardinal de B. Donc pourquoi? Parce que bien sûr, passe ici, donc bien sûr, on a par exemple A. Par exemple, A, il est là. Donc, quand on a par exemple les résultats possibles, le A par exemple, A1, par exemple, A2, etc., jusqu'à AN, donc un résultat, ok. Et B, quand on a par exemple B1, B2, jusqu'à BM, un résultat, ok. Donc, bien sûr, on a un couple, les radis confient bien sûr A1, B1, le couple A2, B2, etc. Bien sûr. On a bien sûr le couple AN, pardon, A2, P1. On a AN, B1. Et bien sûr, ça, je connais A1, B2, A2, B2. Etc. sur AN, BN. Tout simplement, bien sûr, on a ce nouveau niveau silicone. A1, bien sûr, BM, dans AN, BN. Bien sûr, là, il faut bien sûr le nombre des résultats. Ou tout simplement, N, donc on a ici N, résultat, et c'est N résultat. Donc, tout simplement, bien sûr, cardinal de B, égal à 1, et cardinal de A égal à 1. Ok? Bien. Donc, tout simplement, le nombre des résultats réalise bien sûr à deux expériences. Yani, par exemple, dans ce cas, bien sûr, yani, on note A, bien sûr, l'ensemble fait tous les résultats réalise A, première expérience, et B, bien sûr, aussi, l'ensemble, bien sûr, réalise A, tous les résultats, bien sûr, possible pour. L'expérience, bien sûr, 2. Bien, donc on déduit quoi? Alors, le nombre de tous les résultats possibles, tout simplement égal à n fois n. Bien. Donc, bien sûr, je vais comprendre l'exemple, parce que vous m'avez bien. Et, donc, on a dit en général. Par exemple, on a R expérience. Soit par exemple R expérience. Et il y a un R de
التجارب. اوكي دونك باغ اكزومبل اكسبيريونس ا دونك باغ اكزومبل اون نوت او ان غيعطينا بيان سيغ ان ا باغ اكزومبل ريزلتا او دو غيعطينا باغ اكزومبل ان دو ريزلتا باغ اكزومبل جيسكا ار غيعطينا باغ اكزومبل ان ار ريزلتا alors tout simplement le nombre du résultat qui est réalisé à toutes les expériences donc égal à tout simplement n1 fois n2 fois etc fois nr. Bien. Donc ici soit bien donc l'exemple combien de plaques portant un matricule de 16 caractères peut-on former si le premier caractère est un chiffre, puis trois lettres et les trois dernières 10 chiffres. Bien. Donc, tout simplement, bien sûr, l'exercice, l'exemple facile. Yani, par exemple, parce que je connais une voiture, une voiture, donc il faut bien sûr une matricule, une plaque, les questions, bien sûr, une voiture. Après, bien sûr, une matricule, donc l'inaccueil sera l'icône. Tout simplement, je l'ai fait 7 caractères. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Okay. Bien. Donc, avec le premier caractère formé, c'est bien le premier caractère. Et un chiffre, bien sûr, raqm. Chiffre. Et bien sûr, le et un chiffre, et puis trois lettres, et les trois régions bien sûr, avec une lettre. Donc trois lettres, et finalement, bien sûr, trois chiffres. Ça ferait? Donc, première carte, par exemple, Mathéo, c'est exemple. Par exemple, chiffre, par exemple, Mathéo 5. Les lettres, par exemple, A, B, C, par exemple. Et trois chiffres, par exemple, 500, là. Par exemple, 500. Par exemple, elle a le matricule, ok? Bien. Donc, l'EDFDNA fait l'exemple. Ou elle a de toutes les plaques possibles. Bien sûr, les radicaux composés, bien sûr, de la même manière, de tout ça. Ok? Bien. Donc, tout simplement, bien sûr, je compose de ça et ça. Bien sûr, la plaque va être transformée en trois petites parties. Les chiffres, ou les trois lettres, ou trois chiffres. Donc, bien sûr, la plaque, nous connaissons Hada et Hadou et Hadou. Donc, I, Adna I. Donc, I, qu'est-ce qui vous fait la probabilité? Il y a fois. Oui ou non? Il y a une fois ce qu'on se met au i, il y a une fois multiplication. Bien. Donc, on a bien sûr le nombre, tout simplement, en général, le nombre des chiffres possibles, bien sûr, égal à quoi? Et zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, ça y est, neuf, donc 10, 10 chiffres, ok? Et bien sûr, le nombre des lettres, bien sûr, les lettres, bien sûr, en français, ok? L'alphabet, bien sûr, et bien sûr, ça a bien sûr tout simplement 26. On a 26, ok. Lettres, 26 lettres. Bien, donc ça y est, donc on a bien sûr le nombre de chiffres. Donc ça, bien. Donc, à de donc tout simplement, le cardinal oméga, bien sûr, dire toutes les, bien sûr, les résultats possibles, ou là, bien sûr, toutes les plaques possibles, ok. Donc, on note par exemple oméga. Donc, on a bien sûr le cardinal de oméga. أو لدينا مغموس نوك الهدف ديالنا في هذا الشابيتر كاملة هو كنحسبو هاد كاردينال دو سا بيان دونك غندوب هاد بخوميييغ بارتي عندنا 5 شيفر بيان سيغ غادي ناخدو فاس باغ اكزومبل بس نخليو الحيت كاين غير واحد دونك هنايا عندنا 3 دونك باغ اكزومبل لاحظ معايا كاين 0 2 فوا يعني هنا عندنا افيك
Omise ou là avec répétition. Et avec ordre. Qu'est-ce avec ordre? Avec ordre, c'est-à-dire, il y a la clé 0 moins 5. Donc, on a dit que le plaque, tout simplement. Il y a l'ordre moyen. Il y a la clé juge, dit le haro, par exemple. On a dit l'ordre est le donc, plaque est le mais c'est pas donc, différent, bien sûr. Les résultats possibles différents. Bien. Donc, avec répétition, ou là, avec remise. Et avec ordre. Donc on utilise quoi? On utilise bien sûr présence, les chemins, bien sûr, puis corollaire, première partie, bien sûr, Raoula. Oui. Oui, on prend la première partie, ok? Bien, donc Malinas, un seul, bien sûr, présence. Donc on doit être parti, a dit. Donc Adna, bien sûr, dans ce cas, Adna, les chiffres. Donc les chiffres, Adna, 10. Puissance quoi? Puissance, bien sûr, le nombre, dit les chiffres. Donc 1. Fois. Pourquoi fois? Parce qu'on a i. Le quand pour rendre le plus. Quand i fois. Fois quoi? Le nombre total des chiffres, bien sûr, est de 26. Puissance quoi? Puissance le nombre des lettres, les reconnaissent bien sûr sur le plaque. Donc, bien sûr, il y a 3 lettres. Donc, puissance 3. Fois, parce qu'on a i, bien sûr, aussi. Bien sûr, il y a 10, parce qu'il y a 10 chiffres. Et bien sûr, ici, bien sûr, sur le plaque, 3. Dernier chiffre, bien sûr, les trois derniers chiffres, donc puissance 3. Et bien sûr, tout simplement ça, on utilise la calculatrice, que ce soit directement. Donc, égal à 10 fois 26 puissance 3 fois 10 puissance 3. Donc, égal à. Non, combien? Ah, bien. Donc, je me dis, il va aller comme ça. Donc, ça va chez moi. Donc 1, 7, 5, 7, 6, 10, 4, 0. Donc 3, 3, 3. Donc 175 millions, 760 000, 5. Donc à deux fois, bien sûr, les plaques, les radicaux, par exemple, pour Head Dowler, par exemple, et vous pouvez dire que c'est le monde qui connaît Head Sayara, donc toutes les plaques, il y a des symboles, donc on va découvrir le nombre, on va découvrir bien sûr, deux ou la carte, ok? Bien.